La date d'aujourd'hui, c'est bien sûr toujours un peu plus tard, c'est 1555, donc on a dépassé déjà la moitié du XVIe siècle et nous serons principalement à Tivoli, avec pour titre donc « Des dieux pour divertir un cardinal ». En effet, je vais vous montrer jusqu'à quel point les princes de l'Église romaine en période maniériste préféraient dans les temps creux s'adresser à Vénus ou à Apollon qu'à leur saint patron. Et cela donc à propos de l'un des plus grands mécènes de la fin de la Renaissance, Hippolyte d'Est, l'un des plus grands humanistes peut-être, mais technicien surtout de cette même période maniériste, Piero Ligorio, qui était ingénieur et paysagiste, pourrions-nous dire, et tout cela à propos de la Villa d'Est. Mais en plus de la Villa d'Est, nous verrons d'autres lieux. Nous irons à Frascati, un petit saut à Florence, du côté de Viterbe, à Bagnaia, et nous finirons donc à Tivoli. Commençons par un tout petit peu d'histoire, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Vous vous souvenez donc que je vous avais parlé de Cosme le Grand en vous disant qu'au début de la période maniériste, au début du XVIe siècle, il était le premier des Médici à avoir reçu le titre de Grand-Duc de Toscane. Je vous avais dit qu'il avait eu un fils, qui lui a succédé d'ailleurs sous le nom de Francesco Maria de Médici. Et je vous avais dit aussi, mais très rapidement, que ce Francesco Maria avait scandalisé tout le XVIe siècle européen en affichant à ses côtés une maîtresse qui était Bianca Capello. Mais là où nous arrivons vraiment à la date de 1598, c'est que ce même Francesco Maria est mort jeune et sans descendance légitime. Donc c'était un grave problème dynastique pour une dynastie qui était enfin arrivée à cette espèce de pinacle du pouvoir, le titre de grand-duc de Toscane qu'avait le père, naturellement, obligeait le fils quand même à un certain nombre, j'ose dire, d'accommodements. Et mourir sans postérité, ce n'était pas un accommodement du tout. Alors la succession, naturellement, s'est posée gravement. Qui nommer? Eh bien, Florence a fini par choisir le frère cadet, avec juste un petit détail au milieu, il était cardinal. Il avait été d'ailleurs fait cardinal par le pape à l'âge de 14 ans et bon, il avait un petit peu prospéré en gloire et en taille. Non, ben, c'était quand même un très jeune cardinal. Or, un très jeune cardinal ne peut pas devenir grand-duc de Toscane puisque un grand-duc de Toscane s'est fait pour avoir des enfants et un cardinal pas. Alors, il y a eu des trains d'émissaires entre Rome et Florence infinis jusqu'au moment où le pape a bien voulu reprendre la pourpre du cardinal, le défaire de ses veut, si vous le voulez, lui permettre donc de rentrer dans le civil, lui permettre de se marier, d'épouser une Française d'ailleurs, Christine de Lorraine, et Ferdinand et Christine de Lorraine auront une vie parfaitement normale puisqu'ils auront 14 enfants. Ça s'appelle normal à la période maniériste. Le couple de Ferdinand de Médici et de Christine de Lorraine est un couple assez intéressant, dans ce sens que ce sont des gens qui au fond n'étaient pas du tout préparé à ce pouvoir suprême qu'est le grand-duché de Florence. Absolument pas. Et surtout pas préparé à la vie courte. Quand il était cardinal, le jeune homme, en fait, vivait toujours en dehors de Florence ou à Rome. Et elle n'avait vécu que dans les châteaux de son père, dans la campagne française. Et la vie au Palais Pitti leur a immédiatement paru insupportable. Donc, ils ont commencé une très curieuse, j'ose dire, mode, qui a été de déplacer la cour de mois en mois dans toutes les propriétés des Médici autour de Florence, obligeant donc tout le monde à être tout le temps dans les mâles, dans les mâles, dans les mâles, dans les mâles, et donc allant vivre dans ces admirables villas médicènes qu'au fond ils ont contribué à agrandir beaucoup. Pourquoi est-ce que je vous raconte toute cette grande histoire? C'est parce qu'en fait cela nous vaudra un chef-d'œuvre tellement peu connu que je me devais vous le faire parler. Je vous expliquais. De toutes ces villas, une était la favorite de Ferdinand. C'était sa villa de Artimino, une des plus jolies, une villa très rustique, début Renaissance, accommodée au goût maniériste, un ermitage de rêve, pour être dit. Et dans cette villa de Artimino, il y avait un détail qui froissait Ferdinand. Il y avait trop de lumière. Je veux dire, les fenêtres étaient immensément grandes et il avait une faiblesse des yeux qui, en fait, le rendait très, très sensible à la lumière du soleil. Il a donc décidé de rabattre les fenêtres de son grand salon. Elles étaient à plein cintre. Il a donc fait faire des sortes de grands abat-jour, portes de tympan, et cela pour avoir moins de lumière. Que mettre sur ces abat-jour? Ben, pourquoi pas Apollon, Diane, Adonis et les autres, comme tout le monde. Mais justement, notre Ferdinand aimait ses maisons plus que les dieux de l'Olympe. Il a donc décidé de faire le portrait de chacune de ses maisons bien-aimées.
l'idée, en fait, peut vous paraître assez peu originale, je veux dire, voilà, ça n'a pas l'air transcendant comme ça, c'était à l'époque extraordinairement nouveau. L'idée de faire le portrait d'une résidence, ça ne s'était jamais ou presque jamais fait. On pourrait citer les traits des œuvres du duc de Berry, dans lesquels les terres de Limbourg ont mis les châteaux du duc, c'est vrai, mais en dehors de ça, à taille monumentale, en tout cas, ça ne s'était jamais fait. On a appelé un peintre flamand d'ailleurs, mais vivant à Carrare, qui s'appelle en fait Utens. Et ce Utens a été chargé donc d'aller voir les villas, de les rabattre à vol d'oiseau, et il les a peints chacune pour une de ses lunettes, à la tempéra, sur toit, 2,40 m de large, 1,40 m de hauteur. Nous avons mis 14 villas médicaires comme cela. Alors, encore une fois, si je vous raconte ça, c'est que le miracle veut que ces 14 abat-jour aient traversé les siècles et ne soient parvenus absolument intacts. Alors, c'est déjà intéressant, ça nous donne quand même 14 peintures du XVIe siècle pour avoir un cycle complet, c'est assez rare pour être souligné. Mais surtout, cela nous donne le dessin, et j'aime mieux le terme de portrait, de 16 propriétés, maisons, jardins et parcs compris, dans l'état où c'était au XVIe siècle. Je me permets de vous rappeler que tous ces jardins ont passé le cap fatal du XVIIIe siècle, et cette mode sublime mais terrifiante qui voulait que tout le paysagisme change à cause de la mode anglaise. Vous savez bien qu'au XVIIIe est née l'idée du jardin à l'anglaise, un jardin très très libre, très sauvage, avec de grands arbres, et toute l'Europe s'est mise à transformer les jardins pour qu'ils prennent ce ton anglais, les jardins très romantiques. Or, les jardins du XVIe siècle, les jardins maniéristes, ont été conçus pour des plantations tout autres, pour une géométrie tout autre, pour un espace tout autre, et on a complètement oublié cela. Donc, en fait, les peintures de Utens ont ceci d'extraordinaire, elles nous restituent exactement ces propriétés comme elles étaient lorsqu'elles ont été conçues. Alors la première que je vous présente, c'est une des villas médicaires, bien sûr, elle s'appelle la villa La Peggio, c'est d'ailleurs écrit dessous comme vous pouvez voir. Elle se trouve un peu au sud de Florence, tout près d'un petit village qui s'appelle Grassina. Vous voyez une villa tout à fait typique de l'époque florentine, un corps central, deux avant-corps et un mur formant clôture. Joli bâtiment donc, enclos comme vous pouvez voir d'un mur bien sûr avec les communs à gauche et le jardin très très modeste est à droite. Selon la mode héritée du haut Moyen-Âge, selon la mode héritée en gros de l'an 1000, on met dans un jardin les espèces dont on a besoin pour la maison, pommiers, pruniers, etc., etc., plantes médicinales bien entendu, mais chaque espèce est dans son carré bien propre, fermé par un enclos bien propre. Ça nous donne donc ces jardins en damier, dont on voit certains exemplaires, en particulier dans l'arrière-plan des tapisseries du XVe siècle. Alors on voit très très bien ce jardin, donc hérité du Moyen-Âge, ce qu'on appelait le hortus conclusus, le jardin fermé. Et c'est ce jardin fermé qui va exploser avec le maniérisme pour devenir un espèce d'environnement à part entière. La deuxième villa que je vous montre est déjà beaucoup beaucoup plus révélatrice de ce coup-là. Cette villa que vous avez là s'appelle la Marignola, ou la Marignole en fait, et elle se trouve, elle, au nord-est de Florence. Alors, vous voyez, la villa est déjà comme en progrès par rapport à la précédente. Bon, je ne parle pas de la maison qui est encore une fois minuscule, mais le jardin lui-même n'a plus les murs de clôture, ça n'est plus un hortus conclusus, et vous voyez qu'il commence à y avoir un essai de paysagisme en ceci qu'une grande allée mène de la porte de la villa, bien sûr, au premier parterre, traverse tout le jardin pour arriver à ce très beau belvédère qui donnait entièrement sur Florence. Et vous remarquez que juste à droite de ce belvédère, on voit un premier parterre avec effet de jeu d'eau. Autrement dit, le jardin de promenade, le jardin d'agrément, le jardin d'amusement est en train de naître à la Marignole. Alors, encore plus révélateur, maintenant, cette troisième villa s'appelle l'Ambrogiana. Elle se trouve à Montelupo, à l'est de Florence. Et elle a été achetée par Ferdinand lui-même à la famille Ambrogi, d'où le nom de Ambrogiana. La villa a plan carré autour de cour, elle est surmontée de clochetons, c'est de bonne qualité pour lui donner un aspect plus léger, peut-être plus agreste aussi. Et vous remarquerez surtout qu'elle ne sert de façade à un jardin qui maintenant est devenu un jardin absolument somptueux. Vous voyez qu'il est fait de quatre parterres, et chaque parterre était paysagé en utilisant des essences qui appartenaient aux quatre saisons. Donc remarquez ceci, pour la première fois on voit apparaître cette notion de symbole dans le jardin. Il y a le jardin du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Mais plus intéressant encore,
plus loin, c'est-à-dire dans le haut du tableau, il s'agit bien d'une espèce de forêt, pourrait-on dire, et au centre de cette forêt, il y a une dépression. Dépression donnant d'ailleurs sur Florence. Cette dépression s'appelle la vallée de Tempe. En effet, ça devait être, selon le paysagisme de Brunelleschi, une vallée qui incite à la contemplation, à la méditation, à une certaine forme de délicieuse mélancolie, comme la nymphe Tempe l'a connue pendant sa vie entière. Donc, pour la première fois, ou l'une des premières fois en tout cas, dans cette villa-ci, nous voyons des figures de la mythologie prendre possession de telle ou telle part d'un jardin et lui donner son ton particulier, pourrait-on dire. C'est-à-dire que vraiment maintenant, les dieux de l'Olympe descendent en fait de leur Olympe et commencent en fait à illustrer et par là même à exalter le jardin des princes. Donc l'idée de la mythologie des jardins est en train de naître maintenant. Et cette idée va culminer dans la plus belle et de loin de toutes ces villas médicaires, une villa qui avait parlé d'elle jusqu'à l'autre bout de l'Europe. Vous êtes devant Pratolino, Pratolino qui a été le lieu de délices par excellence. Alors vous voyez que tout en haut, Buontalenti a mis la villa, qui a l'air toute petite mais qui est en fait fort vaste, ma foi, et un immense jardin fermé d'un mur d'enceinte, bien sûr, et je pense que vous pouvez remarquer par cette vue d'oiseau, c'est un jardin extrêmement capricieux. Buontalenti s'est véritablement amusé à créer des tons extrêmement différents. Il y a un premier ton qui est le grand axe, tout droit, un peu comme sera, disons, le jardin classique du 17e, pensez à Versailles en particulier, et menant à un point d'eau pour augmenter encore les perspectives. Mais cet axe central est compensé, pourrait-on dire, par deux autres axes. Un à gauche qui fait sillonner un cours d'eau de bassin en bassin, passant de dieu en dieu, car chaque dieu a son bassin. Cependant qu'à droite, vous voyez aussi des chemins beaucoup plus sinueux, amenant à toute une série de monuments dans lesquels il fallait amuser et inquiéter les visiteurs. Des fausses grottes, toutes sortes de faux titans, des faux bruits de faux oiseaux par le biais d'organes hydrauliques en particulier. Donc tout un espèce de programme littéralement ludique, tout un programme de jeu qui a été créé ici à Pratolino et qui encore une fois a beaucoup frappé les Florentins qui ont été les premiers visiteurs. Puis ensuite, tous ces étrangers qui débarquaient à la cour des Médicis. Un au moins en a laissé une narration relativement circonstanciée et importante, c'est Montaigne. Vous connaissez le voyage en Italie de Montaigne, je pense. En 1580, il a visité la plupart de ces résidences-là et en fait, nous en a laissé une sorte de compte-rendu extrêmement net. Et c'est en particulier grâce à Montaigne que nous découvrons que ce qu'il reste aujourd'hui de ces jardins, si bien conservés qu'on les prétende, n'est rien, n'est qu'un squelette comparé à toutes les merveilles fragiles, périssables, qui en faisaient vraiment l'agrément. Je parlais justement tout à l'heure des ors hydrauliques, il faudrait aussi parler des automates, il faudrait parler de toute cette espèce de jeu qui en fait coûtait des millions et donc dès la mort du prince ont été abandonnés par la même, se sont grippés puis ont fini par disparaître. Alors il y avait de faux rochers pour préparer un faux Hadès dans lequel se trouvait un faux dieu en train de forcer une fausse héroïne. Car en effet, quand on s'approchait du bassin, raconte-t-on, on entendait les hurlements d'une vierge forcée partout. Il y a des statues, des urnes, des jeux d'arbres qui ne sont plus aussi rigoureux qu'ils l'étaient auparavant pour évoquer justement ce séjour du dieu le plus ombrageux qui soit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de tout ce Pratolino, il ne reste rien aujourd'hui. Pratolino est un cas typique à la disparition des Médicis de l'époque maniériste, quand le goût a changé. Les jardins baroques sont beaucoup plus solennels et beaucoup moins drôles, si j'ose dire. On a naturellement laissé tous ces mécanismes se gripper. Puis, il y a eu naturellement l'appauvrissement des grandes familles dynastiques, puis il y a eu la misère, puis il y a eu l'abandon, puis il y a eu la dernière guerre mondiale. Pratolino a été bombardé de façon très très grave. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il ne reste qu'une merveille à Pratolino. Mais alors, quelle merveille ? Là, voilà. C'est une des plus belles des statues maniéristes existantes encore. Elle est signée d'ailleurs par le plus grand des sculpteurs maniéristes, c'est Gian Bologna. Alors Gian Bologna avait fait, à la demande de Ferdinand, une image montrant un vieillard en train de s'éveiller. Ce vieillard en train de s'éveiller, c'est l'Apennin, la montagne, donc symbolisée par ce grand génie. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'une porte arrière permet d'entrer dans l'Apennin et à l'intérieur se trouvait une petite salle de musique. Et la lumière était donnée par les yeux de cet Apennin. Et c'est littéralement le seul élément de Pratolino qui ait subsisté. Et je peux vous dire, presque sans exagérer, que Pratolino a été le plus beau jardin du monde. En tout cas, Montaigne nous l'a dit, Montaigne l'a prétendu.
savez qu'on recense à l'heure actuelle, dans la seule Italie, 118 jardins de la Renaissance et du maniérisme. 118 jardins, dont 64 sont publics, les autres sont naturellement farouchement privés. On a pourtant parlé de tous, Montaigne en cite, je crois 22 dans le voyage en Italie. Le président de Grosse au XVIIe siècle en visitera quelque chose comme 50. Fragonard au XVIIIe siècle en visitera bon, près de 100. Il adorait ces jardins italiens. Donc en fait, tous mériteraient que nous nous arrêtions. Mais bien sûr, nous sommes obligés à la synthèse. Et pour être synthétique, j'ai essayé de distinguer les deux styles de jardins fondamentaux. Il va de soi que ces jardins répondent quand même à des styles particuliers. Ça ne doit pas vous étonner. Dans nos jardins, dans nos régions à nous, vous avez le jardin dit à la française, style Versailles, et puis vous avez le jardin à l'anglaise, style Pew, si vous le voulez. Bon, bien, la même chose, à la Renaissance italienne, il y avait des styles de jardins. Et parmi ces styles de jardins, deux styles étaient considérés comme les plus intéressants, comme les plus parlants aussi. Le premier ton, c'est ce qu'on appellera les jardins ludiques, les jardins pour jouer. Ce sont des jardins dont le propriétaire a voulu qu'ils divertissent, amusent, surprennent, effraient, fassent rire les visiteurs. La deuxième essence, c'est le jardin initiatique. C'est le même type de jardin, mais le but du propriétaire est différent. De coin en coin de ce jardin, en suivant un périple obligé, il s'agit pour le visiteur de découvrir un enseignement caché, un enseignement crypté. Alors, pour passer d'un jardin à l'autre, on utilisera un guide, et ce guide, c'est Archimboldo, que vous avez déjà vu apparaître tout à l'heure et qui va revenir, ne vous en faites pas. Quelques mots juste sur Archimboldo, parce que c'est le plus maniériste de tous les peintres peut-être. Je vous rappelle qu'il est né en 1527 et mort en 1593, donc il occupe exactement la période maniériste. Il est né à Milan, en Italie. Il s'appelle Giuseppe Archimboldo. Il n'a pas eu de maître. C'est une sorte d'autodidacte assez extraordinaire, car il a travaillé en fait chez un maître verrier. Il a donc fait du vitrail, et son vrai métier, c'était l'art du vitrail. Et en fait, il a abandonné cet art du vitrail parce que la peinture le fascinait. Et comme c'est une personnalité extrêmement étrange, il n'a pas pu faire de la peinture comme tout le monde, comme Andrea del Sarto, comme des Capumi, comme tous ceux que vous avez connus. Il composait des espèces de visions intérieures bizarres, comme cela. Et sa notoriété s'est assez rapidement étendue à tous les princes un peu pervers d'Italie, puis ensuite plus loin que l'Italie. C'est-à-dire tous ceux qui aimaient l'étrange, l'insolite, le bizarre, le déconcertant. L'œuvre d'Archimboldo s'est mise à avoir du succès, on en a commandé. Et un jour, l'excentrique des excentriques et le pervers des pervers a mis la main sur Archimboldo. Cet homme extraordinaire, c'est l'archiduc Ferdinand de Habsbourg, celui qu'on appelle Ferdinand d'Ambrasse, car sa résidence était Ambrasse, au Tirol. Peut-être que vous avez visité, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez entendu parler. Mais à l'époque, c'était un lieu absolument incroyable, parce qu'à Ambrasse, on réunissait tout ce qu'il y avait de plus unique, bizarre et étonnant au monde. Le cabinet, en fait, de l'archiduc, c'était littéralement son château dans l'entier. C'est quelque chose absolument épouvantable, mais l'archiduc Ferdinand, qui dormait une heure par nuit, dit-on, se complaisait à ce point dans l'étrange qu'il n'acceptait pas à son service un être normal. Il était donc servi soit par des géants, soit par des nains, soit par des femmes à barbe, soit par des cul-de-jatte. Tout ça est vrai, naturellement, scrupuleusement vrai. Et notre Ferdinand est peut-être le prince le plus maniériste que l'on puisse imaginer. C'est l'emblème du maniérisme, cet homme-là. Alors, ayant entendu parler d'Archimboldo, il lui a fait des offres tellement mirifiques que Archimboldo a quitté l'Italie, il est parti pour Ambrasse. Et il est resté 25 ans au service de Rodolphe. Et en fait, il n'est rentré en Italie que lorsque Rodolphe est mort. Lorsqu'au fond, tout ce peuple étrange des habitants d'Ambrasse s'est séparé parce que le maître n'était plus là. Archimboldo est rentré. Il lui reste 18 ans à vivre, pendant lesquels il ne touchera jamais ni un pinceau, ni un crayon, ni rien. Il est complètement tari dès l'instant où Rodolphe n'est plus là pour l'exciter, si j'ose dire. Alors, sa peinture a eu, vous le savez, beaucoup de succès, ce qui veut dire que il y a beaucoup de, à la manière de, beaucoup de pastiches, beaucoup de faux. Je peux vous dire que quand on voit un Archimboldo d'Archimboldo, c'est absolument superbe. Si donc vous voulez en voir de vrai, sachez tout simplement que les beaux ensembles se trouvent au Kunsthistorisches Museum de Vienne, où une bonne partie des grandes collections de l'archiduc ont été récupérées. Vous en avez deux superbes à Madrid, à l'Académie Royale San Fernando.
Vous en avez quatre au musée du Louvre qui sont splendides. Et si vous aimez sortir des sentiers battus, poussez jusqu'au château de Skokloster, à la limite Autriche-Bohême. C'est un des châteaux du duc dans lequel 8 archivoltos ont été conservés. L'œuvre d'ailleurs n'est pas immense, il travaillait très lentement, mais j'ai pensé que cet homme étrange pouvait parfaitement bien nous servir de guide dans le monde étrange que nous allons visiter ce soir. Alors maintenant, vous allez revoir cette archivolto. Ne croyez pas que Mattia est fou, mais regardez bien, tout simplement. Vous savez que Archivolto s'est spécialisé dans ces portraits composés, comme on les appelait, c'est-à-dire en fait dont l'apparence humaine n'est qu'apparence, justement. Et en fait, vous voyez bien que cette femme est faite de fleurs, tout simplement. C'est des roses blanches, entièrement des roses blanches. C'est Flora, Flore, si vous préférez. Mais en fait, c'est l'une des maîtresses de l'archiduc Rodolphe. Et en fait, les quatre saisons sont représentées par les quatre femmes qui ont ponctué la vie de cet homme. C'est un des plus beaux et des plus poétiques Archimboldo qui sort. Voilà pourquoi, pour entrer dans ce monde du jeu, ça me paraissait être une œuvre parfaite. Et juste pour compléter un peu dans le ton, disons, voilà une autre œuvre dans laquelle je vois aussi un caractère ludique assez évident. C'est un tableau qui a été fait pour Cosme Ier de Médici, et ça représente l'homme à l'état sauvage. Et une troisième œuvre, juste à titre de référence, toujours pour entrer dans le monde du jeu, ça c'est un peintre que vous connaissez, et Caron me paraît être un peintre ludique par excellence. J'ai donc choisi une partie d'un triomphe de Diane, et là aussi, dans l'aspect complètement dansant de cette nature et de ces personnages, vous pouvez un peu vous préparer au monde ludique dans lequel nous allons pénétrer maintenant. Alors, le premier jardin que je vous présente, c'est un peu celui qui a, comment dire, qui a été le prétexte du coup d'envoi des jardins maniéristes. Il est le premier en date. Nous sommes tout près d'Europe, nous sommes à Frascati, et vous êtes devant la villa Aldobrandini. À l'époque, c'était la propriété du cardinal Pietro Aldobrandini. Peut-être qu'il est bon de vous rappeler, parce que pour une fois, ça me paraît important de bien cerner la personnalité du personnage. Ce Pietro Aldobrandini était un cardinal de 15 ans de plus. Nous sommes encore à l'époque où les papes aimaient à doter leur neveu, il était le neveu, lui, de Clément VIII, et donc au bénéfice d'une charge de cardinal, il a eu, j'ose dire, une maturité prospère. Il a en tout cas été, et c'est important, l'un des plus grands diplomate du Vatican, en une époque où le Vatican avait bien besoin. Je vous rappelle qu'on était au début de l'ère contre réforme, et par là même, le pape avait bien besoin de gens dévoués à son service. Alors, tous les contemporains que Aldobrandini a vus à la cour de France, dans les différentes cours d'Allemagne, en Autriche où le Saint-Père l'envoyait, tous nous racontent la même chose. Pietro Aldobrandini, représentant de sa sainteté, avait l'air tellement idiot qu'on lui faisait confiance immédiatement. Il ricanait avec une telle suffisance qu'en fait, tout le monde le prenait pour un crétin. Et il s'avérait que quand on avait signé les papiers, on s'était fait posséder. Sa carrière a été superbe jusqu'à la mort de Clément VIII. Et à la mort de Clément VIII, naturellement, il a été détesté par le suivant. Le suivant, c'était Paul V, Borghese. Les Borghese détestaient les Aldobrandini depuis l'aube du Moyen-Âge. Donc, Pietro Aldobrandini a été exilé par Paul V, consigné à demeure à Frascati, et ça nous a valu le jardin. Parce que pendant les 22 dernières années de sa vie, le cardinal Pietro Aldobrandini a orné encore cette villa qu'il possédait depuis longtemps. Alors, voilà le devant de la villa maintenant, avec une haie qui est jolie, mais qui est complètement du 19e siècle. Voilà, par contre, qui est beaucoup plus juste, si j'ose dire, c'est-à-dire que ça n'a pas pu changer. Nous sommes au balcon de l'appartement de Pietro Aldobrandini et vous avez devant vous toute la campagne romaine, comme ça, cette immense appellation qui est un des plus beaux que l'on puisse voir. Mais ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est l'arrière, car là, nous sommes derrière la maison, là commençait le jardin. Et il commence avec cette espèce de, comment dire, de passage obligé de tout jardin de la Renaissance, ça s'appelle une nymphée, c'est-à-dire un lieu consacré aux nymphes. Vous savez que dans tous les jardins de l'Antiquité romaine, on sait par les textes, Pline le dit en particulier, Suétone encore, il y avait toujours un lieu consacré aux nymphes. C'est là qu'il y avait l'eau, c'est là qu'il y avait la fraîcheur, et c'est là qu'on aimait se réunir. On a beaucoup parlé et évoqué la nymphée de la Domus Aurea de Néron. Dans la période Renaissance maniériste, qui est une période où on essaie de retrouver la splendeur de l'Antiquité, la nymphée est revenue à la mode. Tout le monde en a voulu. Donc, c'est un lieu un peu grotte, un peu architecture, c'est un peu entre les deux, dans lequel arrive l'eau du parc. Alors là, l'eau du parc, vous la voyez descendre de tout en haut de la colline par ce grand chemin qu'on appelle en italien une catena d'acqua, une chaîne d'eau. Et donc, l'eau des grains
pergola et arrive dans la fontaine de Atlas qui se trouve au centre. Cette fontaine d'Atlas, vous n'en voyez hélas que la moitié, car il y avait l'Atlas de marbre supportant le monde que vous voyez encore, et il y avait à côté un Prométhée en pertuite qui l'aidait à soutenir le monde. Scandaleuse flagornerie du neveu, car naturellement Atlas qui porte le monde c'est Clément VIII, mais Prométhée qui l'aide c'est Pietroldo Bandini lui-même. Comme il était en pertuite, il n'a pas survécu, le pauvre. Mais à côté, si vous le voulez, de Atlas, il y a différentes niches dans lesquelles se trouvent les dieux de l'Olympe et bien entendu les nymphes, les Néréides, que sais-je encore. Avec quelques très beaux détails de sculpture, je voulais vous montrer. Voilà par exemple ici un Poséidon entouré de deux nymphes. Alors vous voyez que l'ensemble est conçu dans une espèce de mosaïquage de gros galets enchâssés dans du stuc, de façon à donner un peu l'idée d'une grotte et que devant la fontaine elle-même a un aspect complètement rustique, très élaboré bien entendu, mais rustique tout de même. Entre les niches où se trouvent Atlas et les dieux de l'Olympe, se trouvent d'autres niches qui représentent en fait de ces entités mythologiques qui vont petit à petit prendre possession des jardins de la Renaissance. Un centaure sonnant de la trompe que vous avez sous les yeux et lui faisant pendant un satyre jouant de la flûte. Alors donc, en bas, vous avez en pierre, en stuc, en tuf, en amalgame de toutes sortes, mais en plus, bien entendu, en peinture, cette espèce de trompe-l'œil qui met au niveau des visiteurs du cardinal les grandes divinités de l'Olympe. Et derrière, en fait, cette nymphée, vous avez cette catena d'aqua, cette fameuse chaîne d'eau qui remonte comme cela jusqu'au haut de la colline. Et tout en haut de la catena d'aqua se trouvent deux magnifiques colonnes. Et je vous fais remarquer que l'eau descendait le long de la colonne, puis arrivait dans la catena, puis arrivait à la fontaine. Ce qui fait qu'à chaque accident de parcours, l'eau bruissait un peu. Et les hydrauliciens de l'époque maniériste en particulier s'ingénieront de façon extraordinaire pour que l'eau, sans cesse cassée dans son cours, provoque ce bruit délicieux qui en plein été donne presque l'impression d'avoir frais. Et je vous fais remarquer qu'au sommet de ces colonnes, on a de grandes boules, le monde, sur lesquelles se trouve l'étoile, c'est-à-dire le symbole Aldobrandini. Alors là, c'est une façon, le pape devait être ignoble, donc il n'en prenait pas en ouvrage, mais une façon de montrer qu'au fond, au sommet de tout ça, les Aldobrandini possèdent le monde. C'est de cette boule du monde qu'on a d'ailleurs la plus belle vue sur la villa. Regardez, nous sommes tout en haut maintenant, en haut de la catena d'Aqua, et nous avons ce magnifique développement sur la villa. Et il faut dire que la villa est une des réussites de Giacomo della Porta, c'est-à-dire un des grands architectes romains de la période maniériste. Alors, nous sommes encore loin des effets de surprise beaucoup plus sophistiqués que nous allons découvrir plus tard, mais l'Aldobrandini de Frascati, c'est véritablement le modèle du genre. Nous sommes partis maintenant de Frascati et déjà à notre deuxième jardin ludique. Nous sommes de retour dans un lieu que vous connaissez, nous sommes à Florence, nous sommes au Palazzo Pitti, mais nous ne sommes plus sur la façade avant de Amanati que nous avons vu. Nous sommes sur la façade arrière, nous sommes à l'entrée des jardins de Boboli. Alors, vous devez vous souvenir que ça nous ramène un tout petit peu plus avant dans le temps que Pilates, nous sommes avant 1555, nous sommes en fait en 1550. Vous vous souvenez que Cosme Ier devient premier grand-duc de Toscane, que son épouse Éléonore de Tolède devient première grand-duchesse de Toscane, que le sens qu'ils ont tous deux de la vie de cour leur interdit de vivre au Palazzo Vecchio ou dans la Palatina de Jules Romain, aujourd'hui des offices, et que désirant plus grand, plus fastueux, ils rachètent le Palazzo Pitti. Vous vous souvenez qu'Amanati de leur aménage, et pendant que Cosme s'occupe du palais, Éléonore s'occupe des jardins. Et pour les jardins, le maître d'œuvre s'appelle Bernardo Buontalenti. Et ce Buontalenti, il faut se souvenir de son nom parce que c'est le premier des grands architectes, décorateurs, ingénieurs et mécaniciens, automaticiens si vous le préférez, de la Renaissance italienne. Et nous allons maintenant voir son chef-d'œuvre. Buontalenti a signé pour Éléonore de Tolède une chose qui est pour ainsi dire unique au monde encore aujourd'hui, c'est la grotte du jardin de Boboli. Il faut savoir qu'en effet à l'époque maniériste, la grotte, le mystère de la grotte, l'appréhension que l'on a devant les grottes, l'idée que les grottes sont habitées par des dieux ou par des demi-dieux était extrêmement répandue dans la poésie, dans le grand roman, voire même dans la musique. On parle de grottes sans cesse, et ça va durer jusqu'au 18e, repenser aux opéras de Rameau, avant ça à ceux de Lully, toujours dans des grottes, des tétis qui vous guettent quelque part. L'idée de grotte donc apparaît comme une sorte de genre artistique à partir du XVIe siècle de façon extrêmement prégnante. Et Buontalenti, au fond, a fabriqué la première de ces
dans des corps de stuc, comme vous pouvez voir, et nous avons pénétré. Voilà l'intérieur de cette grotte. Alors, l'intérieur est absolument extraordinaire en ceci que Ottaviti dit, au-delà de Dieu et au-delà des dieux mêmes, il y a une entité première et créatrice qui est au fond la mère de toutes choses, la déesse mère, pourrait-on dire. Et cette déesse mère, en fait, fait le monde et les créatures qui l'habitent en les tirant de la glaise originelle. Cette déesse mère, c'est la terre, tout simplement. Et ce que Buontalenti met en scène, c'est la création du monde. Au fond, nous sommes en plein dans cette espèce de glaise des tréfonds de notre sol et on voit en surgir des créatures, on voit en surgir petit à petit des êtres vivants ayant visage, corps et même nom. Alors, au centre de la grotte, il y a bien sûr une statue superbe en marbre blanc, très léger, très polie même. C'est un groupe qui représente en fait Hélène enlevée par Paris. Alors pourquoi cette statue plutôt qu'une autre? C'est parce que c'est celle que Buontalenti a trouvée de plus blanche et de plus léchée et de plus polie qui soit. Donc c'est le parfait contraste avec l'aspect complètement inachevé, sauvage et brut du reste de son décor. Donc il y a un jeu de contraste qui est absolument extraordinaire, il faut le remarquer. Et donc, toute la grotte joue, si vous voulez, sur cette idée que de la glaise originelle des tréfonds de la terre sort les créatures. Et un jour, Buontalenti a dit à Éléonore de Tolède, mais au fond, il y a dans les magasins de l'orangerie quatre machins qui me seraient justement utiles parce qu'ils entreraient dans mon programme de façon superbe, point 1, puis comme ils sont en pierre, ils soutiendraient bien mon stuc, point 2. Éléonore de Tolède a dit, allez, mon cher, prenez. Et c'était les quatre esclaves inachevés du tombeau de Jules II de Michel-Ange. Je vous rappelle, ces quatre esclaves avaient été achetés par, en fait, Francesco de Médici auparavant, comme justement parmi les grands chefs-d'œuvre des collections. Ces œuvres étaient démodées, on ne comprenait pas l'intérêt de leur inachèvement même, et Buontalenti les a utilisés vraiment comme des prétextes à décoration. On a complètement dénaturé ces pauvres esclaves. Et vous les voyez très bien ici, inclus dans les stalactites de l'ensemble. Mais regardez bien, parce qu'on voit très bien la forme humaine, héroïque, que Michel-Ange a tirée du marbre. Puis quand on commence à regarder les parois, ce qui au début n'avait l'air d'être que de la glaise dégoulinante, commence à s'avérer être des créatures humaines, des animaux, toutes sortes de choses. On commence à voir, on devine petit à petit, cette humanité en train de naître. Et c'est là que la grotte devient vraiment extraordinaire, c'est quand on voit qu'au fond, on est en train d'assister à l'émergence du monde. On est en train d'assister à la naissance de la réalité. Alors vous voyez, on voit petit à petit un berger qui joue de la cornemuse, et puis des tas de petites piquettes comme ça, en stalactites, qui sont vraiment très extraordinaires, parce qu'il y a un ton extrêmement surréaliste dans cet ensemble-là. Mais vraiment, c'est cet aspect émergence qui est tellement intéressant dans l'œuvre de Buontalenti. Au plafond et sur les parois d'ailleurs, on a prolongé l'ambiguïté de ce existence-non-existence, si vous le voulez, par des peintures extrêmement réalistes qui représentent en fait le ciel, des nuages, des pentes, de la vie, des oiseaux, des animaux aussi parfois, vous allez en voir dans un instant, mais justement d'un réalisme tel que le contraste avec l'irréalisme des figures humaines augmente encore l'effet d'ambiguïté. Alors, de loin déjà l'effet est extraordinaire, mais je dois dire que de près c'est superbe. Je veux dire par là, chacun des visages de chacun de ces figures est travaillé en pierre naturelle qu'on a recomposé, mais de façon absolument géniale. Les expressions dans chacun des visages y sont, et cela d'autant plus que les yeux, le plus souvent, ont été faits en barre de verre. Donc dans tout cet ensemble extrêmement mat, la brillance d'un regard tout d'un coup peut vraiment vous coller une angoisse. Peut-être là aussi ça vous amusera de savoir que Buontalenti a demandé à Éléonore de Tolède 300 ducats pour acheter des cruches. Alors, Éléonore a donné les 300 ducats, ensuite a réalisé qu'il voulait faire de ses cruches. Il l'a regardé avec un sourire candide et a dit « Je veux les casser, madame. » Car en effet, les figures féminines sont faites de petits morceaux de cruches d'un certain rouge qui ne vient que de San Miniato. Et surgit tout d'un coup ce satire. Et regardez son expression parce qu'elle est étonnante. Tu es là pour te divertir, mais essaye d'avoir un peu peur avant. Et ça, c'est très maniériste, voyez-vous. Justement, cette espèce de jeu entre le ton de l'amusement et celui de l'inquiétude, la déstabilisation tout au moins, est extrêmement concertée ici. Alors, avec leur grotte de Boboli, nos Médici auront, j'ose dire, un succès fou. Tout Florence, puis toute l'Italie, puis toute l'Europe viendra voir, naturellement. Et donc, ces grottes vont être imitées à travers littéralement le monde entier. Alors, sans vous faire une histoire des grottes, n'ayez pas peur, j'aimerais simplement vous dire que 2 ans après que Buontalenti ait terminé la grotte de Boboli, à Gênes, on crée celle que vous avez sous les yeux.
On est tout près de Gênes, à la Villa Garzoni, où vous avez une nymphée en forme de grotte de Ottavio Diodati, qui est une scénographie absolument superbe, je dois dire, et vraiment extrêmement riche pour donc, les banquiers Garzoni de Gênes. Et une fois arrivé au nord de l'Italie, les frontières n'existeront même plus pour ces grottes, on en trouvera jusqu'au fin fond de l'Autriche. Et là aussi, je vais faire un petit arrêt parce que vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Nous sommes ici en Autriche, à Hellbrunn. Là vivait un des seigneurs de l'église les plus maniéristes qui soit. Il s'appelait Marcus Siticus. Et ayant des moyens énormes, il s'était fait l'une des résidences les plus païennes que l'on puisse imaginer. Mais vous allez voir, d'un coup extraordinaire, voilà l'entrée de sa nymphée à lui. Et cette nymphée est une fausse grotte dans laquelle Orphée est en train de jouer de la musique et de chanter pour tenter d'éveiller Eurydice qui se trouve au premier rang. Et de nouveau, vous voyez que le contraste entre une pierre extrêmement polie et le jeu du décor donne cette fameuse ambiguïté un peu inquiétante qui a tellement plu dans la grotte de Boboli. Seulement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Hellbrunn, au lieu d'utiliser des fragments de pierre ou des tessons de terre cuite, on a utilisé presque exclusivement des tout petits galets et surtout beaucoup de coquillages. Et on a inventé à Hellbrunn ce qui va être très à la mode jusqu'au XVIIIe siècle dans les provinces du Nord, ce qu'on appellera les Muschel Cabinets, autrement dit des cabinets entièrement décorés de coquillages. Et à Hellbrunn, on a peut-être les plus beaux exemples qui soient. Déjà, ce morceau de décor-là est beau, mais regardez quand on regarde vraiment de près certaines de ces créatures qui sortent de la mer, c'est terriblement inquiétant. Alors, vous voyez qu'en fait, c'est Buontalenti, mais avec un côté peut-être encore plus angoissant par la mer, peut-être un peu plus germanique, pourrait-on dire. Et, je continue, ces grottes donc ont connu une mode énorme de Rome à Gênes, de Gênes à l'Autriche, toute l'Europe du Nord, et même la France, qui pourtant n'aime pas trop ces choses déraisonnables ou irraisonnables. N'oubliez pas que nous sommes au cap 16e, 17e, au fond, au moment où est en train d'arriver cette déesse raison dont on parlera pendant longtemps, bien la France sera pourtant gagnée, et on a un magnifique exemple de grotte à la Bastille d'Urfée. Peut-être avez-vous entendu parler de la Bastille d'Urfée. Une fois ou l'autre, c'est quelque chose à voir parce que c'est l'Italie en pleine France, avec un décor qui vient d'être restauré entièrement, lui aussi en coquillage et éléments de pierre, qui est l'un des plus beaux qui soit. C'est dû donc à un des grands représentants de la famille d'Urfée, Claude d'Urfée. En l'occurrence, il est le grand-père du plus célèbre des Urfées, c'est Honoré d'Urfée, celui qui écrira L'Astrée, le fameux roman précieux que tout le XVIIe lira. Alors voilà cette nymphée de la Bastille d'Urfée, qui est une réussite absolument extraordinaire. Regardez, avec toute cette espèce de jeu extraordinairement élégant, mais en même temps surtout admirablement rendu par une restauration, il faut le dire, exemplaire. Alors vous voyez, nous sommes partis en fait de Frascati, caprice d'un cardinal, pour arriver à la grotte de Boboli, où l'idée même de ce jeu a commencé à voir le jour avec Buontalenti. Puis nous avons vu cette mode gagner ensuite le nord de l'Italie et quasiment toute l'Europe, même la France. Le jardin ludique, c'est donc par excellence le premier ton de ces jardins et l'un de ceux qui va le plus marquer, si vous voulez, le goût européen. Passons donc au jardin initiatique en retrouvant bien sûr Archimboldo. C'est un de ses plus beaux tableaux. Ça s'appelle l'homme de bibliothèque. Parce qu'en fait, c'est une accumulation de livres qui commence à être habité par une espèce de présence humaine. Enfin, voilà, c'est admirablement entré en matière puisque c'est vraiment des histoires d'érudition, des histoires de mythologie que les jardins initiatiques vont nous ouvrir. Pour accompagner simplement Archimboldo, j'ai repris à l'école de Fontainebleau une de ses gravures. Alors regardez, ben c'est très intéressant et presque amusant. Pour que la connaissance s'éveille, il faut qu'elle sente le feu, c'est-à-dire l'élément le plus aérien que vous puissiez rêver, et il doit sentir aussi l'eau. Et vous voyez que sa robe trempe dans une seille. Donc, l'eau et le feu sont en train d'éveiller la connaissance. C'est une espèce d'alchimie de l'éveil de la connaissance que le graveur nous montre ici. Et toujours pour vous introduire à ce monde-là, regardez l'œuvre superbe que vous avez sous les yeux. C'est une des plus belles pièces d'orfèvrerie de l'époque maniériste. C'est tout simplement un casque de parade. Mais il faut savoir qu'il est en or et émaux. Il a été fait pour le roi Charles IX sur un dessin, en fait, hérité de Benvenuto Cellini. Mais si, je vous le présente maintenant, c'est tout simplement que dans la partie du haut, on voit une bataille.
c'est la bataille des forces du jour contre les forces de la nuit. Donc par là même, si vous le voulez, c'est l'éveil de la connaissance. Le jour contre la nuit, comme tout à l'heure, l'eau contre le feu, c'est cette espèce d'alchimie des grandes puissances d'où naît la connaissance à proprement parler. Alors, ces quelques œuvres-là nous permettent d'accéder au premier jardin initiatique que je voulais vous montrer, c'est Beaumarchais. Je vous rappelle que Beaumarchais, c'est tout près de Viterbe, à 19 km très exactement, et que, en fait, Beaumarchais, c'était depuis le haut Moyen-Âge une ville qui était fief fondamental de la famille des Orsini. Et il faut que vous sachiez tout de suite que c'est l'un des plus déconcertants des jardins du maniérisme. Il a été très très longtemps oublié, il a été complètement boulotté par les arbres, les lianes, la végétation, parce que c'est encore avant la lettre, si j'ose dire. Et il a été redécouvert un peu au début de notre siècle, dans les années 20 à peu près, par les surréalistes, et notamment par quelqu'un qui a fait un magnifique texte sur ces monstres de Beaumarchais qui sortaient comme ça de leur frondaison. C'est André-Pierre de Mandiargues. Donc si vous retrouvez dans les morceaux choisis d'André-Pierre de Mandiargues sa visite au Bosco Sacro, au bois sacré de Beaumarchais, c'est un texte vraiment extrêmement intéressant à lire. Alors, l'ensemble a été créé par un des plus grands Orsini, c'est Vicino Orsini. Je pense inutile de vous rappeler que ces Orsini sont l'une des plus vieilles et des plus grandes familles italiennes, mais qu'on les voit essaimer un peu dans toute l'Europe, notamment en France, où ils sont connus sous le nom de des Ursins. La fameuse princesse des Ursins doit avoir un rôle à la cour de Louis XIV, ce sont des Orsini, bien entendu. Alors, ces Orsini étaient gens extrêmement riches, et notre Vicino Orsini, né en 1528 et mort en 1592, donc en plein période maniériste, va être en fait l'un de ces princes des humanités, l'un de ces princes mécènes les plus étonnants qui soient. Il a conçu et réalisé son jardin entre l'année 1551 et l'année 1561. C'est 10 ans de sa vie qu'il a donné à créer un jardin absolument extraordinaire. Alors voilà le bourg de Beaumarchais d'ailleurs, et c'est au bas de ce bourg que se trouve le jardin. Alors, le duc Orsini l'a appelé Bosco Sacro, le bois sacré, voulant bien mettre par là même son visiteur en condition. Tu ne viens pas là pour te mettre au frais, tu ne viens pas là pour entendre clapoter l'eau, tu ne viens pas là pour attendre des surprises, des farces et des trucs, tu viens là pour apprendre quelque chose de sacré. Bosco Sacro, c'est bien l'idée d'un jardin initiatique. Et il l'a appelé lui-même d'ailleurs aussi Bosco dei Monstri, le bois des monstres. Alors naturellement, quand on entre et qu'on voit ça, on se dit, ah oui, voilà les monstres. Mais je vous rappelle qu'au XVIe siècle, Monstri, c'était ce que l'on montre, pas monstre au sens que nous donnons maintenant, c'était le mot sorti du latin monstrare, c'est-à-dire montrer, démontrer. Donc, c'est le bois où l'on montre et démontre, autrement dit, le bois où on révèle un enseignement. Alors, on va essayer de suivre un peu dans l'esprit de Vicino Orsini, ce jardin. Notre vie est faite toujours d'accidents, et ces accidents, en fait, nous grignotent notre entité. Donc, au début de ce jardin, on vous montre des démons près de nous, à saillir, qui sont justement ces espèces d'accidents de la vie. Ce sont vos envies, vos pulsions, vos fantasmes, vos désespoirs, c'est ça ces gueules ouvertes. Et ils sont prêts à vous croquer. Et Vicino Orsini va vous dire, ne les regarde pas, garde l'intégrité de ton esprit, et alors tu pourras monter jusqu'à la connaissance absolue. C'est, au fond, c'est l'idée, si vous le voulez. Alors, au point de départ, donc, de ces gueules de démons ouvertes et quasiment rugissantes, il n'y en a d'ailleurs pas qu'une, il y en a plusieurs, hein, et certaines sont absolument extraordinaires. Regardez par exemple celle-ci. Naturellement, on peut y entrer, ce sont des salles de fraîcheur, comme on disait à l'époque. On pouvait parfaitement y entrer pour deviser, voire même faire de la musique, et chose assez jolie d'ailleurs, regardez, dans la gueule du démon, il y a la luette, c'est la petite table. Et on dit que Vicino Orsini aimait venir jouer aux échecs à cet endroit-là. Mais donc, ils sont tout en bas du jardin pour vous accueillir en vous disant, fais attention, toi qui entres ici, ne te laisse pas avoir par les séductions de la vie, ne te laisse pas atteindre par tes chagrins, mais pas plus par tes bonheurs. Garde ta pureté, et alors tu peux prétendre aller plus loin. Aller plus loin, bien sûr, c'est entrer dans le domaine, on peut dire, de l'interdit. Il faut donc oser dépasser l'image de ce monumental Cerbère que vous avez là. Cerbère garde la porte du paradis de Vicino Orsini. C'est un énorme chien de pierre à trois têtes, et au-delà de ce Cerbère, s'il vous a laissé passer, on entre vraiment dans ce monde qui va s'éveiller. Et regardez, le terme de s'éveiller est vraiment important, puisque en visitant, on passe presque sans s'en rendre compte à côté d'un rocher qui est drôle de forme. Puis tout d'un coup, en regardant un peu mieux, on voit que c'est une femme. Une gigantesque femme de 17 mètres, endormie.
La nymphe assoupie, celle-ci dort encore, mais un peu plus loin. Voilà, une autre est en train de s'éveiller. Autrement dit, ce que nous allons faire, c'est petit à petit nous éveiller, comme Vicino Orsini éveille ses nymphes. Et c'est cette prise de conscience qui va nous faire ainsi gagner petit à petit ce que l'on pourrait appeler le paradis, mais ce qui est en fait, pour Vicino Orsini et les humanistes de son époque, la connaissance. Et de nymphe en nymphe, comme cela, nymphe est d'ailleurs un drôle de terme pour ces êtres hybrides, mais bon, de créature en créature, l'éveil se fait, les yeux clos, les yeux mi-clos, les yeux ouverts. Enfin, au fond, elles accompagnent, pourrait-on dire, notre naissance à la lucidité, notre naissance à la compréhension du monde. Et ça, c'est le petit chef-d'œuvre. Quand on est lucide, quand on a compris le monde, le rêve, c'est de s'instruire. Le rêve, c'est donc de s'enfermer dans une bibliothèque. Alors, Vicino Orsini nous en offre une. Ça s'appelle la Casa de Sapienza, la maison de sagesse. Vicino Orsini l'a construite, bien sûr, mais vous remarquez qu'elle est inhabitable. Elle penche. Vous voyez, Casetta Pendante, comme on a dit à l'époque. Mais elle était construite comme cela, de façon à ce qu'on nous montre bien que la culture, en fait, est un leurre. La culture ne sert à rien, ça ne nous stabilise pas. Donc, la pure culture de bibliothèque, nous dit Vicino Orsini, n'est pas la solution. Il faut donc continuer à monter après ce piège, ce leurre, au fond, qu'est le studio, et alors on arrive au sommet de la colline. Et au sommet de la colline, de nouveau, il y a une construction, mais alors qui est absolument, j'ose dire, divine. Le Piero Ligorio a dessiné là un temple, mais dont l'architecture est tellement parfaite, que c'est presque l'emblème, si vous le voulez, de la Renaissance même et du maniérisme. Regardez la beauté des colonnes, regardez la beauté du tympan, regardez les proportions qui sont tellement belles. C'est donc le temple. Et on se dit, bon, ben, c'est là que je vais avoir la réponse. Alors, on se rue dans le temple, et inutile de vous dire, il est vide. Il n'y a jamais rien vu, ni statue, ni nom, ni aucune représentation. Alors c'est horriblement frustrant, on ressort donc du temple au triple galop, et ce que l'on trouve devant soi, c'est le Sphinx. Donc tout simplement, à toutes les questions qu'on s'est posées, il n'y a pas eu de réponse. Mais celui qui peut-être vous répondra un jour, c'est le Sphinx. Et au fond, la visite à Bomazzo se finit devant le visage énigmatique de ce Sphinx. Vicino Orsini se permet en fait de demander à chacun de chercher dans son propre reflet. Le Sphinx n'est rien d'autre que notre reflet. Donc, de trouver sa solution à sa question. Vous voyez, donc, il s'agit d'un message, mais il s'agit en fait plutôt d'une proposition de conduite de vie. Abstiens-toi des passions, abstiens-toi du faux savoir, continue à aller devant toi, et un jour tu verras la demeure de Dieu. À ce moment-là, il ne te restera plus qu'à trouver ton nom pour ton Dieu. Voilà, au fond, si vous voulez, ce qui nous est livré à Tommaso. Maintenant, nous voici à Bagnaia, et nous allons y visiter la villa qui appartenait en propre aux évêques de Viterbe. Quand vous étiez évêque de Viterbe, votre résidence était Bagnaia, c'était votre fief à vous. Et les évêques de Viterbe ont, au cours des 15e et 16e siècles, créé la villa et les jardins que vous allez voir dans un instant. Alors, tous les évêques de Viterbe du 15e et 16e siècle y ont travaillé, mais deux surtout ont été importants. Le premier s'appelle Gianfrancesco Gambara, très important parce que c'est lui qui a donné à ce qu'allait être le jardin ses proportions. Il l'a au fond créé, une espèce de grande colline artificielle, puis il est mort, et son successeur immédiat a peuplé cette colline artificielle des fabriques que nous allons voir. Celui-là s'appelle Alessandro Montalto. Et j'aimerais simplement que vous sachiez, il était non seulement évêque de Viterbe, mais archevêque de Milan et cardinal de la très sainte église catholique romaine à l'âge de 14 ans. Car une fois de plus, il était neveu de pape, il était le neveu de Sixte Quint. Et c'est donc surtout à cet Alessandro Montalto que l'on doit les merveilles que vous allez voir. À 15 ans, c'était déjà un homme de goût, j'ose le dire. Et ça vous intéressera peut-être de savoir que l'une des grandes figures un peu austères de ce maniérisme, le fameux Charles Borromée, que tout le monde connaît, ayant passé à Bagnaia et ayant vu les millions qu'engloutissait Alessandro Montalto, a pris sa mule la plus rapide pour courir au Vatican et dire à l'austère pape Pie V que ces princes de l'Église dépensaient sans compter un argent venu d'on ne sait où, mais dont on savait ce qu'il fallait en faire en principe. Et Pie V a écrit une lettre sèche comme tout, interdisant à tout prince de l'Église désormais de faire un jardin.
de la porter malade, il est mort 3 mois plus tard. Et si tôt après, les travaux ont repris. Alors nous allons maintenant voir donc ce jardin qui est admirable, comme vous pouvez le constater. Il faut savoir que là aussi, le maître d'œuvre est un homme extrêmement prestigieux. Il s'appelle Giacomo Barozzi, ce qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il venait du village de Vignola, on l'appelle donc le Vignola ou le Vignol, et c'est un des plus grands architectes, j'ose dire, mais je n'engage que moi, de tous les temps. Je me permets de vous rappeler en effet qu'il a travaillé à Rome, à Fontainebleau pour François Ier, à Viterbe, et qu'à la fin de sa vie, on lui a encore demandé une église, et que cette église allait être son testament spirituel. Or, cette église, c'est l'église du Jésus à Rome. Et je ne vous apprends rien, vous devez savoir, l'église du Jésus à Rome est la première église baroque du monde. Autrement dit, Vignola a été un architecte maniériste qui a eu ce mérite complémentaire d'inventer le baroque à la fin de sa vie. Donc c'est un personnage exceptionnel et vous allez voir quelque chose d'exceptionnel en fait. Alors, ça c'est les murs d'enceinte de Villa Lante. Maintenant, nous entrons. Il y a d'abord un jardin tout à fait rassurant. Dans le goût italien, car je me permets de vous dire que les petits buis taillés, ce n'est pas le privilège de Louis XIV et de Villandrine. Hein. En Italie, on taillait aussi le buis. Donc il y a un jardin tout à fait rassurant, labyrinthe de buis taillés, alors d'une qualité et d'une beauté vraiment tout à fait extraordinaire. Et au beau milieu de ce labyrinthe de buis, il y a un magnifique bassin. Au milieu de ce magnifique bassin, il y a une magnifique île, et au milieu de cette magnifique île, il y a 4 magnifiques jeunes gens de bronze, de Gian Bologna, qui à eux 4 portent les armes du cardinal Alessandro. Donc, autrement dit, ce jardin du bas, comme on l'appelle, est un jardin exquisément amphigourique. C'est une façon de célébrer les Montalto et leur œuvre, en l'occurrence, à Villa Lante. Alors, c'est depuis le bassin que l'on peut apercevoir le corps de la maison. En fait, c'est assez curieux. C'est 2 petits bâtiments, un à gauche, l'autre à droite du grand bassin. Ça, c'est la résidence de Lante. Les évêques occupaient celui de gauche et donnaient à leurs hôtes celui de droite. Et ces 2 petits pavillons, c'est toute la résidence. Et en fait, c'est dans le jardin que nous allons gagner maintenant que les fameux millions qui ont tellement scandalisé Charles Borromée ont été dépensés. Alors, on va y monter comme on y montait avec Alessandro Montalto et on va découvrir ce lieu-là. Alors, le premier élément que l'on rencontrait, c'était un théâtre d'eau, théâtre d'aqua. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait en fait des gradins d'un théâtre, car si vous remarquez, c'est l'hémicycle du théâtre à l'antique. Et lorsque vous arriviez devant ces gradins d'un théâtre, une petite manivelle actionnée faisait partir près de 1000 jets d'eau. Et ces 1000 jets d'eau faisaient résonner en retombant des quantités de petites lames de terre cuite. Alors ça fait petit comme ça. Autrement dit, à votre arrivée, vos spectateurs vous applaudissaient. On appelle ça le théâtre d'eau. Nous, visiteurs, on a tendance à penser que là se donnaient des présentations théâtrales, mais c'est le contraire. C'est nous les acteurs. Puisqu'en fait, c'est l'hémicycle du public qui est devant vous. Vous comprenez? Donc en fait, le public est devant vous et vous, arrivant dans le jardin, vous êtes salué par les jets d'eau. Le théâtre d'eau, c'est une façon donc de dire, toi qui es ici, tu n'y es pas comme spectateur, tu es l'acteur de cette initiation. C'est toi qui vas connaître ce message. Donc, sécurisé dans le rôle qui est le nôtre, on commence à monter le long des degrés et le long des parterres, en suivant de magnifiques allées, mais toujours est-il, on monte, on passe le long de ces magnifiques allées de base Médicis, et on arrive en fait à la première station. Nous ne sommes plus des humains, puisque nous sommes reçus à table par les dieux de l'Olympe. La terrasse où vous êtes s'appelle la salle à manger des dieux. Alors vous remarquerez, je pense, que 2 dieux sont au fond de la composition, c'est Zeus et Poséidon, Jupiter et Neptune, si vous préférez, à table à la romaine, allongée, et que devant eux, en tant que maître de maison, il y a cette espèce de longue chose qui n'est pas un bassin fontaine, c'est une table avec des bancs de pierre. Et le cardinal y faisait servir pendant l'été les dîners. Mais toujours est-il donc, ce lieu était bel et bien salle à manger, et on y a mangé pendant près de 30 ans quand Montalto s'est trouvé là. Mais en même temps, c'est une façon de dire, toi qui es venu ici, tu n'es plus un homme. D'abord, tu étais un acteur, et maintenant tu es déjà un héros. Tu es reçu par les dieux, à proprement parler. Et chose très amusante, ces dieux de l'Olympe avaient naturellement à leur service des nymphes. Alors, des 2 côtés, il y a des nymphes sortant des murs pour venir aider au service. L'une s'appelle la nymphe du jour, vous l'avez devant vous, une très belle sculpture d'ailleurs, avec un frappé extrêmement évocateur. Et l'autre, c'est la nymphe de la nuit. Regardez, parce qu'elle est étonnante, elle n'a pas de visage.
Alors, ne croyez pas, comme même certains historiens l'ont cru pendant longtemps, qu'un accident au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle l'avait privé de le visage. Nous avons les dessins de Vignola. Il a sculpté son visage parce qu'elle est la nuit. Donc, jour et nuit sont représentés par ces deux femmes extraordinaires, donc la nymphe solaire et la nymphe lunaire que vous avez vues ici. Ayant terminé notre repas avec les dieux, nous allons monter encore. Et nous allons aller plus loin encore. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a après les dieux? On peut se poser la question. Ben, vous allez voir. Alors, on est monté donc, et nous arrivons à cette espèce d'élément obligé de tous les jardins italiens, c'est la Catena d'Acqua. On l'a déjà vu à Frascati, vous la retrouvez maintenant. Mais celle-ci est de loin plus belle encore, elle est due à Vignola. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, l'important dans une Catena d'Acqua, c'est le bruit de l'eau, le bruissement, le clapotement de l'eau. Alors, la Catena d'Acqua de Vignola a ceci de particulièrement intelligent que tout est mis en œuvre pour que sans cesse l'eau casse. Ah oui, c'est fort en volute, mais il y a aussi des espèces de bosseaux d'eau, pourrait-on dire, en forme de bénitier, comme on les appelle, qui fait que vraiment l'eau qui descend là-dedans, il descend d'une façon extraordinairement capricieuse et que par là même, l'effet est absolument étonnant. Donc, nous remontons cette Catena d'Acqua pour arriver, du moins l'espérons-nous, dans ce monde qui va être le monde du mystère. Je vous rappelle qu'on est au-delà des dieux, on a déjà été reçu à l'Olympe. Qu'est-ce qu'il y a plus haut? Eh bien, plus haut, il y a cette drôle de fontaine. Cette drôle de fontaine n'est plus que le squelette de ce qu'elle était, car à l'époque, il figurait en bronze émaillé, toutes les créatures les plus immondes de la nature, des serpents, des grenouilles, des scolopendres, des limaces monstrueuses et visqueuses, des lézards de toutes sortes, qu'hélas, visiteur après visiteur, ont pris en souvenir. Donc, il ne reste que cela, qui nous montre, si vous le voulez, l'anarchie de la création. Au-delà de l'ordre des dieux, il y a le chaos. Alors, on entre dans le monde du chaos. Alors, s'étant arrêté à cette fontaine, on va plus loin. Et juste plus loin, c'est simplement un mur d'eau, une cascade d'eau. Et le cardinal disait, vous êtes venu jusqu'ici, vous avez voulu connaître l'inconnaissable, vous avez voulu approcher l'inconnaissable, eh bien, passez, traversez. Et on pouvait passer pour découvrir le jardin secret. Donc, il fallait oser traverser le rideau d'eau pour arriver au jardin secret, vous allez pénétrer dans une minute. J'aimerais simplement vous montrer qu'en fait, cette idée de traverser un rideau d'eau est au fond une des plus vieilles idées initiatiques de tous les temps. C'est l'eau de notre baptême de chrétien, c'est l'eau en fait que l'on retrouve dans les civilisations dites primitives comme rites de passage, c'est l'eau qu'on retrouvait dans les initiations égyptiennes, repensez en particulier à Abydos et l'expérience de l'Osirion. Donc c'est une des premières idées mystiques qui était réutilisée ici. Passer le rideau de l'eau, c'était une forme de baptême. Alors, vous étiez digne de connaître l'entité suprême. Et voilà, le jardin secret. On ne pénétrait que ceux qui avaient osé passer l'eau, ou du moins se risquer à passer l'eau et ensuite avoir deux dettes. Jamais. Donc, c'est un temple, là, qui s'ouvre de nouveau comme une grotte. Nous sommes de nouveau donc chez cette entité étrange. Et vous remarquerez que, un peu comme à Boboli, on a fait contraster le très beau poli de ces vases médicis avec le côté complètement rustique, j'ose dire, du temple lui-même. Donc de nouveau, on a blanc sur gris, poli contre rugueux. On entre dans cette grotte-là, et alors, au fond, réside la déesse mère. Vous voyez, elle est représentée comme une femme pressant ses seins. Et comme si ça ne suffisait pas, sitôt que les seins de la déesse se mettaient à gicler, plus de 1000 petits jets d'eau partaient de toutes les anfractuosités de ce rocher et vous trempez complètement des pieds à la tête. Voilà ce que l'on risque lorsqu'on veut connaître le vrai visage de la connaissance. Alors, Bagnaia, la même, est un des jardins les plus attachants qui soit, parce qu'il y a, encore une fois, au-delà de l'expérience, disons, de l'enseignement, il y a aussi cet aspect un peu récréatif qui est dû tout simplement à un cardinal qui était vraiment, vraiment très jeune. Nous quittons maintenant l'Ante et nous allons voir notre dernier jardin. C'est le plus beau, c'est le plus connu. Nous arrivons à Villa d'Este. Vous savez que dès qu'on dit jardin italien de la Renaissance, paf, c'est Villa d'Este qui nous vient à l'esprit. Et je me suis toujours demandé un peu pourquoi. Alors, je me permets juste de vous rappeler, peut-être parce que Franz Liszt y a vécu. Vous savez que Franz Liszt y a composé 3 pièces. Aussi près de la Villa d'Este, première version, aussi près de la Villa d'Este, deuxième version, et les jeux d'eau de la Villa d'Este, qui sont quand même parmi les plus belles pièces du troisième cahier des années de pèlerinage, qui est écrit sur le tard. À ce moment-là, Franz Liszt était déjà un monsieur plus qu'âgé, il était déjà abbé, où il n'avait pas les devoirs, il en avait tout au moins la soutane,
Et néanmoins, il était poursuivi par un des êtres les plus redoutables qui soit, qui était la princesse de Wittgenstein. Et cette princesse de Wittgenstein, qui habitait Via del Capuino, passait son temps dans des appartements complètement fermés, avec des centaines de cierges et des dizaines de bustes de Liszt. Alors cette dame redoutable donc poursuivait Liszt à ce point qu'il a demandé au cardinal de Hohenlohe de pouvoir s'enfuir. Et c'est ainsi qu'il a eu un petit quatre pièces à Budapest. C'est là qu'il a écrit les fameuses et très belles pièces, les Cyprès et les Jeux d'eau dont je vous parlais tout à l'heure. Et je pense que ça a fait pour beaucoup dans la notoriété de notre Budapest. Maintenant, on revient à l'époque, c'est une œuvre d'un cardinal pour changer. Ce cardinal, c'est Hippolyte d'Este. Alors, quelques mots sur lui, je crois que c'est important. Je vous rappelle qu'il est né en 1509, qu'il mourra en 1572. Mais je vous rappelle surtout le plus important, c'est un personnage qui est issu, comme on disait à la Renaissance, de ventres illustres, puisque sa mère est Lucrèce Borgia et son père est Alphonse Ier, duc de Ferrare. Ben, être fils de Lucrèce Borgia, ça veut aussi dire être petit-fils d'Alexandre VI Borgia. Donc ce cardinal est en fait petit-fils de pape. Il a été nommé, de par l'illustrissime naissance qui est la sienne, archevêque de Milan à l'âge de 9 ans. Il a été cardinal à l'âge de 17 ans. Et il a frôlé le trône pontifical à 41 ans, ce qui aurait fait un des plus jeunes papes de l'histoire. Mais Rome vivait à cette époque-là, j'ose dire, une époque un peu de scandale. Il y avait trop de papes romains qui avaient trop favorisé les Romains. Il y avait une temporalisation, si vous le voulez, des bienfaits pontificaux sur les princes de Rome qui scandalisaient un peu l'Europe. Et tout d'un coup, on s'est dit, non, on ne compte plus en Romain. Donc, ce Cioppi del Monte de Arezzo, ça a paru beaucoup plus simple. Et Jules III s'est retrouvé pape. Et Hippolyte est resté cardinal. Et il ne l'a absolument pas supporté, donc il a quitté Rome. Il s'est retiré dans son fief de Tivoli et il a consacré le reste de sa vie à concevoir un univers à lui. C'est le monde de la Budapest. Donc c'est assez extraordinaire comme destin, si j'ose dire. Cet homme qui est fils de Lucrèce, petit-fils de pape, promis à tout, a renoncé strictement à tout pour créer ce monde intérieur qui est le sien. Et il collabora avec Piero Ligorio en particulier pour créer ce fameux lieu. Alors nous voici maintenant à Tivoli, sans plus attendre. C'est donc là qu'était le fief de Hippolyte d'Este. Il s'est réservé toute une grande portion du bas de la ville et là il a construit son petit palais, c'est pas grand, il faut dire, et ses immenses jardins. Alors on entre par une grande cour où déjà le ton est donné puisqu'on a une magnifique statue, antique d'ailleurs, qui nous représente Ariane endormie. Donc, Hippolyte d'Este veut dire par là, comme tout à l'heure, si vous le voulez, c'est une mise en condition, il faut dormir car ce que l'on va voir, c'est le monde et le royaume du songe. Alors, ayant vu la cour, on traverse le palais. Bon, on le traversera tout très très vite. Il est simplement intéressant ceci qu'il est assez ambigu. Je veux dire, ce sont des pièces extrêmement nues, mais où le décor peint à la fresque est très important. Autrement dit, dans la maison déjà, on a ce ton d'ambiguïté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que je dors ou est-ce que je suis éveillé? Est-ce que je songe ou est-ce que je vois la réalité? Et cet effet-là va naturellement s'augmenter dans le jardin. Alors nous allons suivre le périple qui est celui dessiné et conçu par Hippolyte d'Este et exécuté par Piero Ligorio. Première fontaine, c'est Rome, comme vous pouvez voir. Notre cardinal a quitté Rome, il a renoncé à Rome, mais il pleure Rome. Donc, il a créé une espèce de grand panorama en tuf où il y avait, c'est en mauvais état hélas, les grands monuments de Rome, avec des petits jets d'eau dedans. Ça s'appelle la Rometta, la Rome miniature, la petite Rome. Donc, juste là, on vous permet de vous accrocher à quelque chose que vous connaissez. Et immédiatement après, on vous perd le long d'une immense allée, marquée de l'un de ses côtés par 100 fontaines, 100 bouches d'eau. Mais en fait, 200 bouches d'eau, puisqu'il y a celle du bas et celle du haut, 200 jets d'eau. Et ces 100 fontaines, qui naturellement, sur le plan pragmatique et quotidien, donnent de la fraîcheur et sont un merveilleux lieu de promenade, mais ces 100 fontaines ont un sens beaucoup plus important, beaucoup plus symbolique, cela va de soi. Elles sont, ou elles alimentent, une sorte d'immense bassin tout en longueur que le cardinal a voulu être le fleuve Léthé. Or, vous connaissez le Léthé dans la mythologie, je pense. Qui a vu de l'eau du Léthé oublie tout, absolument tout. Donc au fond, ce que veut nous dire le cardinal, j'ai vu Rome, je bois de l'eau et j'oublie tout, je me concentre.
consacre désormais à mon monde, à moi, à mon édification, à moi. Donc, nous avons bu les eaux du Léthé, et dès lors, au fond, nous sommes dans le monde de la pure fiction. On entre, au fond, déjà là, de plein pied, si vous voulez, dans le monde de l'extravagance. Donc, nous retrouvons là comme gardienne de l'extravagance, ce qu'on appelle les sphinges, qui, comme vous pouvez voir, ont corps de lionne, mais buste de femme, et crachent de l'eau par leur sein. Alors donc, on va suivre ces escaliers descendants, gardés par les sphinges, et nous allons arriver dans le monde étrange, dans le monde inquiétant. Pour entrer dans ce monde inquiétant, ben, il faut véritablement être capable de renaître. Il faut une renaissance. Alors, Hippolyte d'Este a fait une fontaine où vous pouvez renaître. Je m'explique. Une immense falaise de faux rochers est habitée par une femme. Cette femme, c'est la déesse Terre, Dea Terra. C'est justement la fameuse déesse mère dont je vous ai parlé depuis les grottes de Boboli jusqu'à Villalante, l'entité ultime de la création. Et la déesse Terre couvre un œuf. Et vous remarquerez qu'en effet, juste en dessous de la déesse Terre, vous avez comme un œuf d'eau. En effet, sous l'œuf, il y a une nymphée, absolument magnifique d'ailleurs, et au milieu, dans la belle perspective, il y a l'œuf, l'œuf d'eau. Or, il est demandé aux visiteurs d'oser entrer dans cette nymphée et passer sur un tout petit passage de pierre, une espèce de petite passerelle de pierre, en ayant donc la pierre contre l'épaule droite et le rideau d'eau fracassant contre l'épaule gauche. Donc, vous passez dans l'œuf. On vous met dans l'œuf. C'est donc bel et bien l'idée de la renaissance. La déesse mère vous couvre, elle va ainsi vous réaccoucher. Et alors, vous êtes chez les dieux. Et comme à Bomarzo, il faut passer devant Cerbère. Alors voilà ce Cerbère superbe d'ailleurs, crachant son eau, qui garde l'entrée du monde inconnu. Et sitôt que vous avez passé devant Cerbère, ben, il vous suffit de descendre encore, et nous allons nous trouver tout de suite chez les dieux. Il n'y a pas plus beau exemple de jardin italien que le monde des dieux, c'est-à-dire cette partie privilégiée du jardin de Villa d'Este. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une gigantesque terrasse marquée en son centre par trois immenses bassins, dont on aime bien dire, c'est pas faux, mais on aime bien dire que c'est les viviers du cardinal. C'est vrai qu'il y a là des carpes aujourd'hui encore, mais au-delà d'être des viviers, vous pouvez bien penser que c'est surtout des miroirs à fontaines. Ils dédoublent complètement cet espace-là et lui donnent un côté complètement onirique. D'un côté, il y a un temple, celui que vous avez sous les yeux, consacré à Apollon. De l'autre côté, il y a un temple, que vous verrez tout à l'heure, consacré à Diane. Et je pense inutile de vous rappeler, parce que quand même la mythologie, ça va, Apollon c'est le soleil et donc le jour, Diane c'est la lune et donc la nuit. Nous avons donc deux divinités complètement antinomiques, une diurne, une nocturne, qui nous attendent de part et d'autre de ce bassin-là. Nous nous approchons du monde d'Apollon, c'est un temple dans toute sa gloire, je dois dire, avec un corps central qui abritait une statue d'Apollon en bronze doré, des atlantes hyper bodybuildées, comme vous pouvez voir, de part et d'autre, et dans des niches latérales, deux autres statues qui sont toujours Apollon. C'est très intéressant d'ailleurs de voir Hippolyte d'Este être tellement précis dans ses mythes. Apollon est un dieu très ambigu, comme vous le savez sans doute, très très bizarre. Il est dieu de la beauté, mais il pique des colères épouvantables. Il est le dieu de l'harmonie, mais il châtie les humains injustement de façon ignoble. C'est un drôle de dieu. Alors Hippolyte d'Este a voulu bien nous montrer ces deux aspects. D'un côté, nous avons un Apollon musicien, habillé, c'est l'Apollon sacré. Et de l'autre côté, le même Apollon, mais tenant la lyre, est nu, c'est l'Apollon profane. Et donc, au centre, il y avait l'Apollon qui résumait un peu le sacré et le profane. La statue, hélas, a disparu et depuis bien longtemps. Et lorsque l'on avait admiré ces statues d'Apollon, la petite manivelle qui à Est existait aussi, et tout d'un coup, c'était le miracle. Jamais on n'a créé de jet d'eau comparable à ce que vous avez ici. Et j'aimerais surtout que vous vous rendiez compte que ces jets d'eau sont complètement architecturés. Ce n'est pas des jeux d'eau, c'est une architecture d'eau. Voilà. On a l'impression de voir se construire un temple éphémère comme les gouttelettes d'eau qui prennent le soleil. Et vraiment, c'est le temple du soleil. C'est l'eau et la lumière qui créent cette espèce d'architecture extraordinaire. Et à cet effet-là, qui est déjà assez étonnant ici, s'ajoutaient à l'époque les merveilles complémentaires et aujourd'hui détruites, qui étaient un orgue à eau entièrement programmé. Et nous avons les récits de l'époque. On commençait par entendre une fanfare d'oiseaux. Puis on entendait une fanfare de trompe annonçant l'arrivée du dieu. Puis on entendait un concert d'instruments, qui était le concert des muses. Et à la fin, on entendait la voix.
croix et la lyre d'Apollon. Tout cela a disparu. Mais donc, regardez bien, regardez amoureusement, si j'ose dire, ce temple qui littéralement se construit uniquement avec de l'eau. Hein? Vraiment, on voit comme une espèce d'architecture naître. Hein? Et vous avez là certainement un des plus beaux palais éphémères, ça ne dure que le temps d'un caprice, hein, que l'on puisse imaginer au monde. Et c'est certainement une des plus belles vues que l'on puisse avoir d'ailleurs. À l'opposé, de l'autre côté, le monde de la nuit et de diable. Alors c'est tout autre chose, c'est l'anti-Apollon, c'est la nuit. Donc on descend encore des escaliers, mais regardez, c'est terrifiant ces escaliers, marqués de pierres qui sont presque organiques tellement elles se tordent les unes sur les autres, marqués par des gueules de mascarons qui littéralement grimacent et crachent de l'eau d'ailleurs, on se rend bien compte qu'on descend dans l'antithèse du solaire Apollon. Eh bien, bel et bien, cette nuit, là voilà, on arrive devant une caverne complètement ténébreuse, où les figures sont à peine lisibles, pourrais-je dire, et dans la caverne centrale se trouvait, hélas, elle a disparu, la statue de Diane. Donc là, alors vraiment, c'est le monde de la nuit, c'est le monde du stalactite, c'est le monde de la grotte. Et quand on sait qu'en fait ces deux entités sont parfaitement contraires et complémentaires, soleil, lune, jour, nuit, on se rend compte que de nouveau le cardinal nous offre deux chemins, ou la route apollinienne et solaire, ou la route nocturne de Diane. Et pour, au fond, concilier les deux choses, en bas du jardin, et exactement à équidistance d'Apollon et de Diane, nous retrouvons une fois de plus notre déesse mère, c'est-à-dire cette entité première qui a tout fait naître, même les dieux. Et vous voyez que de ses multiples mamelles, elle est en train d'allaiter, d'alimenter, de faire naître encore le monde. C'est Hécate, souveraine absolue et première de toute humanité. Donc au fond, quand on arrive devant les cartes, on est au bout de l'histoire. Et comme cette mère originelle est capable de tout, littéralement de tout, elle a même inspiré notre 20e siècle, vous savez qu'en effet, à la ville d'Est, on peut voir, certains soirs, des féeries de lumière et d'eau qui sont absolument extraordinaires. En règle générale, ce genre de spectacle-là me fait hérisser les cheveux sur la tête, mais puisqu'on est dans le monde de l'illusion à Est, je dois dire que cette illusion devient absolument grandiose quand on s'y trouve. Regardez le temple d'Apollon, illuminé ainsi par la lumière, et c'est absolument extraordinaire. C'est simplement la lumière de ce temple d'Apollon à travers les frondaisons des bassins et reflétée ici dans ces bassins. Et je suis absolument persuadé que si le cardinal avait pu voir ce que cette électricité permet, il aurait été le premier à payer sa facture au service industriel. Non, mais je veux dire simplement que c'est fou ce que l'électricité ajoute encore à cet effet de miracle. Ce qui fait que comme dernier document concernant Est et concernant notre soirée, je voulais vous remontrer Cerbère en vous rappelant quand un chien à trois têtes se met devant vous pour aboyer, n'ayez pas peur, passez devant. C'est comme ça qu'on gagne le fond du jardin. Merci de votre attention.